Aha, Brogun est mort. D'accord. Oh, oh. What the fuck. Mais genre, mais... Attends. Toi déjà. Destroy to you. Bah alors. Ah, c'est que je l'ai pas sélectionné. Voilà. What? Trouver de la nourriture pour les lapins et les apporter à Bjarni. Éloigner les lapins affamés quiconque portant de la nourriture. Cacher cache secrète. Ah oui, d'accord. Coup de savate. Je l'avais pas vu, la savate. What the fuck? Ah d'accord, c'est pour sprinter. Il est où Bjarni? Il est là. Hey Bjarni! Regarde, je t'ai ramené à manger. Mais je vous en prie. Bah ouais, tu m'étonnes. Putain, t'es fat. T'es grande, mais en même temps, t'es une norme, tu me diras. Mais quand même, ça fait peur. Dégage. C'est marrant quand même ce genre de mission où l'on doit... ramener à manger pour éviter de se faire savater par les lapins. Il y a quand même pas mal de second degré dans Guild Wars. C'est ça que je trouve un petit peu marrant aussi. C'est que c'est un jeu qui, à la base, est super bien. Il n'y a pas à dire. Il est, moi, je le trouve épique. Et en même temps, il se prend, et c'est un MMO qui se prend pas au sérieux. Il y a quand même une histoire derrière qui est sympa, quoi. Il y a quand même l'histoire de base. Mais voilà, toutes les mini-quêtes ou autres, c'est amusant. Ça se prend pas au sérieux. Et je trouve ça vachement... vachement cool. Qu'est-ce que ça que ceci? Oh. Oh. Non, on va pas lui faire de mal. Oh no. Best troll ever. Ça vous dit un petit défi? Ah. Dégagez, bande de lapins. Mais regarde, sa mère a fait le lapin. Bip. La vanne complètement... Non, merde, non. Non, ça va. À partir par là, peut-être qu'il y a des petits sacs. Sac à dos, sac à dos. Sac à... Non. Vite. Vite. Wow, wow, wow. Fucking rabbit. Putain, j'ai... C'est un danger pour tous. Le Yeti. Je ne vois pas, mais je sens qu'il rôde. Le Yeti, non mais t'as cru toi. C'est une légende, le Yeti, comme tout le reste. C'est comme le monstre du Loch Ness ou autre, ce ne sont que des conneries. Surtout quand on pense que le Loch Ness, ça a été fait avec le haut d'un couvercle. Fuck you, le rabbit, putain. Je te jure, je vais faire de toi, avec toute ta famille, je vais faire un civet de lapin prochainement. Et je me foutrai bien de ta gueule pour la peine. Donc je disais, oui, le Loch Ness. Motherfucking bitch. Ah, merde. Putain, le... Connard de civet. Donc je disais, oui, examiner, prendre la fourrure. D'accord. Examiner. Papa ? Tas de fourrure. Wow, happy bug. Bah ouais, j'étais trop près, c'est logique. Oh ! Goûte ma colère divine. Ah, voilà. Donc je disais, oui, quand on sait que le Loch Ness a été créé avec le... le couvercle d'une poubelle, s'il vous plaît, quoi. Allez. Yeah. Ta-ta-la-ta-ta. Oh là, c'est quoi? Yol Nirolo Asgard. Yol Nirolo. Bonjour.
Linéa m'a dit que je devais vous remercier de votre aide. Les lapins et moi sommes tous en bonne forme. Merci, cher NPS. Je crois que Linéa a eu le coup de foudre. Mais chut. Pour le civet. Parce que là, quand même... D'ailleurs, au niveau des serveurs, je crois que je suis pas sur le bon. Parce que je me rappelle quand je faisais les events... justement que... Vous avez repéré des indices ? J'ai dû changer de... Vous en avez vu ? Rapportez-moi, elles serviront de coin parce que justement il y avait trop de monde. Mais bon, c'est pas un gros problème. On va mettre un petit coup de boost pour l'ordinateur parce qu'il chauffe un petit peu. Enfin ça va, il supporte, il chauffe pas énormément. Je crois que c'est 70-80 degrés mais... il tape un petit peu le 90 quand vu que là je suis en full je crois. Donc j'ai pas spécialement envie que le jeu ait des petits ralentissements. Voilà, ceci étant fait, maintenant les prochains points compétences. Alors j'aimerais bien choper celui-là seulement. Pour attraper celui-là il faut que je fasse le grand tour. J'étais rentré dans toute cette zone je crois et ça m'avait servi à rien. Donc je pense que là, la colline, ça sera plus pour grimper en passant... Enfin, je pense qu'il faudra... Ah non, il y a un passage, là. Tac, 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 tac. Après, est-ce qu'on peut rentrer par là pour faire le tour ? What ? C'est quoi ce bruit ? Putain, j'aurais eu linceul de mort avec le mont Sylvari là. J'aurais fait un petit Géronimo. Mais bon. Ça, tas de fourrure étrange. Tu es vraiment stupide, monsieur le Norn. Prélever des intentions de fureur pour Linéa. Ah, nous fait chier Linéa, sérieux. En fait, c'est de l'antisocial, t'as envie de dire, Guild Wars. Parce que les gens, qu'est-ce qui se passe? En fait, en gros, dans le fond de la forme. Les gens râlent parce qu'ils peuvent pas. Parce que soit, genre, ils ont mal au dos, ils en ont marre de faire le sale travail. Donc, on leur fait à leur place. En plus de ça, c'est-à-dire que le jeu fait une génération d'assistés. C'est-à-dire qu'en plus de ça, on fait une génération d'assistés. On est en train de montrer clairement que... regarde, I'm an assisted and I like it. Et en plus de ça, on travaille pour leur poire, pourquoi comme récompense? Que dalle. C'est-à-dire si elle, c'est vraiment pas une connasse en fait. Parce que bon, là, rien ne l'empêche de le faire par exemple. Mais non, faut que ce soit nous qu'il fasse. Bref. On doit faire le boulot à sa place quoi. Alors qu'elle pourrait très bien le faire, regardez. Ça lui empêche quoi de courir 15 pieds devant? Rien, merde, désolé toi. Oui, mais t'as 4 SQ plus vite aussi. Écoute, je fais pas non plus. Alors pourquoi j'utilise ce coup? Parce que je le trouve bien, il poutre vite, il fait mal, et voilà. En fait, tas de fourrure. Cette fois, on est éliminé, n'a rien d'insolite. Continuez à chercher la vérité qui finira bien par éclater. Ouvrez la... Pourquoi? Oh! Prendre la fourrure! Nyeh. Partir. Vous avez repéré des indices? Il y a de la fourrure de Yeti partout. Vous en avez vu? Bah ouais. Exactement, elles serviront de preuve. Ouais, de preuve. C'est quoi ce bruit? Wow! C'est quoi? C'est des chutes de pierre? Des éboulements qu'on entend à chaque fois. Je ne sais pas. Alors. Mettre le corbeau sur un arbre perché, tenez dans son bec un fromage. Il y aurait pas de... Elle que je lui file ses échantillons comme ça sera fait. Tiens, connasse. Bon, je suppose qu'il m'en faudra deux.
D'accord, mon perso qui bug par moment. Oh, ah, mercredi. Oh, super, magnifique repop. Worry, PSB. Ce bruit là, je ne sais guère, mais tout ça ne me dit rien qui vaille. Alors, fourrure, examiner, partir. Ah, fichtre! Ah, j'avais pas vu celle-là. Take this. Ouais, coucou. Non, mais regardez. Examen de la fourrure dans 36 secondes. Ça veut dire quoi? Ouais, bah écoute. Là, il reste une fourrure. Votre contribution, 6 fourrures, d'accord, mais elle va dire quoi en fait quand le temps va être écoulé juste comme ça? Or, ok, d'accord. Suivez-moi, la chacalope est proche. Bjarni, reste ici, cette chasse n'est pas pour toi. Chacalope, chacalope. Wow. Putain, mais ils sont débiles ceux-là. La voilà, la chacalope. Je me lance à sa poursuite. Ouvrez-moi. Ah, mais je l'avais déjà fait, je crois. Ah ouais, donc non, je vais pas me péter la rondelle à refaire un truc que j'ai déjà fait. Non, merci. On a d'autres chats à fouetter. Ah bah tiens, voilà. Se téléporter à contrefort du voyageur. Contrefort du voyageur. Alors voilà. 9, 16, 9, 17, 12, 20, 3, 8, 7, 10. Fouf. Faut surtout que je fasse les points de compétence. Le voilà, le chacalope. Rien à foutre du chacalope. OCB. Alors. Donc, on avait dit. Voilà, donc nous. 9 sur 16, les points de compétence. Bon, par contre, les points de compétence ont l'air énormément spacieux. Ah, il y en a un là, très bien. Bon, alors, je vais déjà faire. Aider la garde du loup à protéger la route des steppes glacées, patrouiller sur la route qui mène au refuge de croisement, assurer la sécurité des trajets en éliminant les ennemis que vous croisez, détruire les champs de filets de manière dissimulée. D'accord. Alors, whoops. Ding. Ah oui, d'accord. Ah ouais, en fait, la zone est super vaste. Shérif Padra, avez-vous besoin d'aide? Oui, le fils des Svanir sans une menace, il cherche de permanence à détrôner, je vais faire ce que je peux, d'accord. Ouais, bon. Autrement dit, on connaît le sujet. Les fils de Svanir, vous allez goûter à mon gourou. Vous êtes tous les deux niveau 8. Très bien. Watch out. What the fuck? Je wow. Ah, je sais pas ce qu'était le truc que j'ai incurgité, mais alors mon dieu. Ah, j'ai kiffé. Fils de Svanir. Wow. J'ai vu quelqu'un courir autour de moi, je crois. Non? Ah, je croyais. Barrière du dragon. Là, en fait, la zone est vraiment beaucoup plus fat que je le pensais.
Hop. Oups. Alors. Oula, c'est qui lui? Oups. Mini sac de glace. Rondin de bois. Voilà. Alors. Message. Boîte des réceptions. Refuge de double perron. Grâce à vous, le refuge de double perron est ouvert. Et les voyageurs y sont en sécurité. Vous y aurez droit à un accueil chaleureux. Tout prendre et supprimer. Il me l'a envoyé quand? Il y a un... Ah ouais, il y a un mois environ. D'accord. Hey, ça fait quand même un petit moment. Ah oui, c'est vrai que ça faisait ça faisait plus d'un mois que j'avais pas fait du fait de moi un PGM quand même. Le temps passe vite. Alors, il me semble que dans cette zone, j'avais tracé justement parce que je trouvais les ennemis un peu trop la zone un peu trop gonflante et un peu redondante en fait. Ça se répétait sans cesse et je trouvais pas ça super. Donc les points relais pour le moment, bon remarque même si je suis à côté, ouais si remarque il y a une, là on va récupérer le point de passage déjà, ça nous aidera pas mal. C'est quoi passer l'histoire, zoom avant, zoom arrière, modifier la rotation, carte du monde. Y a-t-il quelqu'un ici ou pas? Sœur. Ok, voilà. Donc pour le reste... Wow, magnifique. Esprit des vétérans. Pète la classe, hein, poche. Gina So... J'ai pas eu le temps de lire, désolé. Alors, on va aller au... Pique. Mais il me semble que je l'avais déjà fait ça pourtant. Non? Watch out. Hop. 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 J'arriverai pas à passer de l'autre côté. Non. Faudrait que je saute sur ça. Voilà. Hé hé hé. Alors. Wow. C'est qui ça? C'est une statue. On dirait une statue des ritualistes de faction de Guild Wars. C'est moi ou... Wow! Aïe. Ouf. Griffon. Oh là. Oh non! Oh la poisse! Le plus proche c'est là. Là, mais comme j'ai pas fait lui... Non, il y a un point de compétence ici, donc on va aller là. Ah, c'est dommage, j'aurais bien voulu l'avoir, la statue. Bon, c'est pas grave, j'y retournerai soit en offline ou autre. D'ailleurs, je voulais juste voir un truc. H, oui, c'est bon. C'était pour enlever le HUD, en fait, à l'écran. Je voulais voir comment on faisait, je me rappelais plus comment on faisait. Pour ceux qui cherchent à faire comme moi, c'est-à-dire ça, vous faites CTRL, SHIFT et H. Voilà, tout simplement. Voilà, donc ceux qui ne le savaient pas, c'est toujours bon à prendre pour faire des petits screens sympathiques. Oh, the moon. I can see the moon. Bon alors. À chaque fois quand je passe dessus, j'ai l'impression que je vais passer à travers. Là. Hop. Donc, elle a gagné un point de compétence. Je suis passé devant. Ah oui, mais il me semble que j'avais pas le... Pour ce point de compétence, si je me souviens bien, je n'avais pas le niveau nécessaire. Ah.
je confirme que je n'ai toujours pas le niveau nécessaire. What? Fight for your survival. Ouais. Best troll ever. Bon, par contre, on va... Ah non, tu peux pas passer là. Hein. Ah, t'es niqué là. On va attendre... Ah ouais, par contre... What? Ah si, il peut. Ah putain, la dernière fois, j'avais vu qu'il pouvait pas. Ou alors, je sais pas, j'étais peut-être à une distance... Bizarre ça. Wow. Oh putain, c'est quoi ça? Wow. Ok. Ok. La bonne blague. Et à côté là, l'autre elle en fout pas une. Raise, please, raise, please, please, please. I'm dead. Fuck. Faudrait peut-être que je tente de me trouver un arc quand même. On sait jamais, ça pourrait être bénéfique quand même. Et là, ça risque d'être tendu quand même. Oh, les hallucines quoi, les PNJ qui se réveillent 10 ans après, non pas. Initiative insuffisante. Oh, sans deck. Die, potatoes. Lance de puissance à ma... Oh, deuxième emplacement de compétences utilitaires. Rappelez-vous que vous pouvez acheter de nouvelles compétences utilitaires avec le soin de compétences. Équipez-vous. Ah putain, mais... Eh, mais j'ai une idée d'avoir... C'est une idée où j'ai été... Je suis en train de me poser une question, là. Ah oui, non, d'accord. J'ai 9 points de compétence, d'accord, mais qui est en train de se foutre sur la gueule avant là? Personne. Bon, déjà, bon bah, le, mon point de compétence, moi, il a été fait, donc... Même pas! Il y a de quoi nourrir la population d'Olbrak au grand complet. Rapportez-moi tout ce que vous pourrez. Bon, je vais voir quand même ce qu'il y a dans le fond. On va quand même visiter un petit peu les lieux. Nous jouons Rose. Wow, ok, salut les gars. Je me présente, examiner, en prendre un peu. Et c'est censé faire quoi ça? Invulnérable. Ok, super. Non mais allez-y. Finissez-moi, hein, j'ai rien contre vous les gars. Bon alors. Putain, ça me coûte 8. Putain, j'hallucine. Je suis à côté, sérieusement. Bon alors. Point de compétence. Faut que je fasse quoi? Vous joindre. Chef Aldi. C'est pas ça, non? Chef Aldi, d'accord. Vous êtes invité. Les enfants de Doliac, ouvrir la fenêtre de guilde. Qu'est-ce qu'on me demande? Kenelec, Xénélite, bidule, machin, truc. Pour le moment, je n'accepte personne, et si je dois rentrer dans une guilde, c'est plutôt... Ma propre guilde! La guilde des cocos de la Kokojima Team. Tiens, d'ailleurs, si vous auriez envie de faire partir de la ligue de moi, donc Endarknet Kokojima, tiens, je vais vous poser la question à vous, tiens, joueur de Guild Wars, et en même temps, vous qui me suivez au fur et à mesure de l'émission... Si vous avez envie que je crée une team à l'effigie de entre guillemets entre vous
pour vous et pour moi à la base, voilà, de créer une petite team. Vous recevez un œuf de givre. Vous recevez un œuf de givre. Vous recevez un œuf de givre. Œuf de givre. Wow, qu'est-ce que j'ai ramassé? Je ne sais pas. Baril gelé. Fouiller, œuf de givre. Oups. Baril. Barrel. Boom. Fouiller et tout prendre, on verra ce que c'est après. Oh fuck. Baril, let's spin on you. Wow. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû appuyer un petit peu n'importe comment. Voilà. Ramasser. Ramasser. Examiner. Quelqu'un a fait venir de rentrer nos abondes dans cette grotte. Récupérer. Ah d'accord, faut récupérer les œufs de givre. Alors c'était le but du. Wow! Ok, hello! Oh, je peux pas le shooter! Ouh. Ramasser le baril parce que. Oh! Baril gelé. Wow, 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 bonjour, bienvenue, welcome. Ouais, vite, vite, vite! Wow. Fouiller. Offre de givre, d'accord. Ah donc en fait je suis obligé. Ah non. J'ai encore assez de place pour deux ou trois de plus dans mon sac. On se dépêche. Hop. C'est là. Mais mon point de compétence maintenant. Fouiller. Œuf de givre. Récupérer des barils gelés dans la caverne de glace pour la rapporter à Volden. Ah oui d'accord. Tutu. Bon alors c'est faut que je les donne à qui? À Volden. Volden, where are you Volden? Volden, bah you Volden. Récupérer un gelé dans la caverne et les rapporter à Volden. Aider Ordir à récupérer des balais de gelée et veiller sur le client. Je fais le plus beau métier du monde. Ah, Volden. Parfait. Bonjour. Rentrons au pavillon et je vous préparerai le meilleur repas de votre vie. Récupérer des barils gelés pour les clients. Réveiller les trucs évanouis. Ok. Donc oui, comme je le disais, vu que je m'étais dit, vu que là on me fait des demandes pour intégrer une team... À la limite, est-ce que ça vous dirait plutôt que je crée une team, genre l'armée de Kokojima et de. Et de vous, hein. Entre guillemets, c'est-à-dire. Oh, qu'est-ce qui se passe? Et réveiller les clients ivres. Oh, ah oui, évanoui dans la neige, d'accord. Guerrier évanoui. Donc voilà, si ça vous tente à vous de. Il empêche la croissance de tête, perte de connaissance, de fait pire. Un saut de glace gelée devrait le réveiller. Ah, parce que après, faut prendre de la glace, putain. Wow. Ok, on fait le traître, on se barre comme une pucelle. C'est pas grave. Mais je vois pas comment leur balancer. Bon ben voilà, merci de m'avoir. Ah, si il était là.
quoi dire. Pourquoi ils essayent de défoncer la porte là? C'est une idée ou c'est ce qu'ils essayent de faire? Non mais les gars, ta porte est en train de se faire poutrer et le mec il bouge pas. Oh putain, je l'avais pas vu ce petit con de merde. Bon bah je crois que je vais crever hein. Bon bah voilà. Super. Bon alors.